Voilà. Ça, c'est la scène. Un vrai ruban. La scène, elle tourne, elle vient et elle repart. Et elle repart pas tout de suite. Elle a compris que quand on est à Paname, il faut y rester le plus longtemps possible. Ah, ça, ça c'est la butte. Des petits trucs qui grimpent, des belles petites gosses et un air d'accordéon. Et là, un petit monde qui s'appelle Mulot. C'est Bibi. Faut repasser, faut que tu m'embrasses. Allez, porte, abat les pattes. Oh, embrasse-moi. Tu me dégoûtes, abat les pattes. J'en connais un avec qui tu ne fais pas tant d'histoire. Et ton père, il va pas bientôt rentrer le voyage? On va pas bientôt faire sa connaissance? Il fait sa sieste. Maintenant qu'il vienne. Tiens, tiens, le voilà ton coquin. Bonjour les potes. Bonjour. On prend quelque chose? Je suis fauché. Oh, ça te fait rien, journée. Mais dis donc, elle le fabrique, Lopez, ta mère, hein? Peut-être. Et la petite lèche, j'oubliais. Rue des Trois Frères. Non, touche pas à la butte, malfaiteur. Tu te rends compte qu'il n'y en a pas un seul qui comprend ce que tu dis? Mais ça m'est égal. Eux, ça les épate et moi, ça m'amuse. Gamine, va. Allez, dégage, je fais une tournée. Alors, on est gentils maintenant, hein? Toujours, quand vous gardez vos mains chez vous. Quoi? T'es encore barbé? Oh, quand on est né cochon, on reste cochon toute sa vie. Bah, si t'embêtes encore, dis-le au moins, hein? Oh, il ne fait pas peur. Bah, le pinard, alors. Il est au frais. Aujourd'hui, c'est le patron qui vous sert. Eh ben, alors vite, alors. Oh, là, c'est combien, non? Buenos dias, muchachos. C'est bon, bien le bouton de viande. Que tal, señor? Bonjour, monsieur. Salut. Que calor. Oh, mais ça mousse une verano. Ça fait 5 pesettes. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour moi. Lumière de ma vie. Alors, montre un peu que tu n'es pas fâché. Allez, hop. Mais ça, toi. Oh, je vais pas te le barbeter. Je te dis de pas y toucher. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est marteau? Non, il y a là-dedans des lettres de femme. D'une femme, je veux pas qu'on y touche. Mais je m'en fous de ta femme. Ce qui nous reste d'autre fois, c'est sacré, faut pas jouer avec ça. Allons. Ça te plairait qu'on fouille dans des papiers, qu'on s'occupe de ce qu'il y a derrière toi? Derrière moi, il n'y a rien. Oh, t'en parles pas, c'est bon, mais nous avons tous eu des histoires. Toi comme les autres, c'est la vie. Quoi? Veux-tu que je te casse la gueule? Oh, dis donc, t'as tes pattes pas tout le fric qu'il a? C'est sa mère. Oh, ça dope, c'est vite dit. Mais l'histoire qu'il a faite tout à l'heure avec ses papiers, non? Au milieu, il y avait une carte d'identité avec une photo dans le coin. Oh, peut-être un permis de conduire une trottinette. En tout cas, elle avait une drôle de couleur, sa carte. T'as qu'à lui demander des explications? Puis tu t'abaises dans les cordes jusqu'au finish, s'il fait le méchant. Oh non, non, c'est pas l'heure. J'aime mieux savoir par la douceur ce que ce mec-là a dans le ventre. Je veux pas qu'il s'occupe de moi. Mais s'il continue à s'en occuper, je le corrigerai, c'est moi qui te le dis. Oh, t'en fais pas. J'attendrai l'occasion. Ici, le temps n'existe pas, alors... Si ça fait rien, je voudrais bien savoir ce que c'est que cette carte-là. Il met ses papiers dans sa vareuse... et sa vareuse sur son lit.